검찰 발표에 대한 프랑스 감정팀 입장 표명 기자 간담회가 되겠습니다. 프랑스의 그 단층 분석 방법은 적외선 촬영이 다 잡을 수 없는 여러 단층, 즉 1650개의 단층까지 다 세밀하게 구별해 뚜렷한 이미지를 찾아내는 그런 기술을 가지고 있다는 것입니다. 그러면 지금부터 장베니프 씨의 발표가 있겠습니다. Et néanmoins critiqué lors d'une récente conférence de presse, nous sommes ici aujourd'hui pour expliquer de manière loyale et scientifique les raisons de cette expertise sur 10 œuvres de l'artiste Chung Kyung-ya, dont une, nous avons appelée K5, The Wonderful Woman, pose un problème d'authentification depuis des années. Les demandes du procureur étaient pourtant claires. Il nous a demandé de certifier si cette œuvre était de la main de l'artiste sur des critères objectifs. Nous pensions les lui avoir fournis après de nombreux échanges d'emails, d'explications comme d'usage dans ce genre de procédure. On n'a pas utilisé les techniques traditionnelles qu'utilisent les musées, comme les X-rays, les infrarouges profonds qui renvoient derrière la couche picturale. On n'a pas utilisé des mesures aléatoires de coups de pinceau sans étalonnage, des mesures pigmentaires aléatoires au jugé, des ombres sans calcul d'angle. On n'a pas fait ça, on a juste extrait des mesures faites dans les mêmes conditions. Le procureur nous a demandé de ne travailler que sur des critères objectifs, quantifiables, avec des données que nous avons mesurées avec notre caméra multispectrale, sans aucun commentaire subjectif. Nous démontrons que Mme Chung Kyung-ya a soutenu, ce qu'elle a soutenu semble vrai, sur un plan strictement scientifique, si on observe le simple comportement de la lumière dans la couche picturale, de la luminance, des contrastes, de la distribution de la lumière et des fréquences, des écarts et autres mesures quantifiables, explicables, la qualité du dessin dans son évolution, et de la finition de l'œuvre, et en extrapolant, en faisant des probabilités. Et pendant 30 ans, l'artiste, qui est quand même la première experte de son œuvre, clame qu'elle ne retrouve pas l'empreinte de sa personnalité dans cette œuvre, The Wonderful Woman. Et notre étude le confirme sans a priori, en comparant des données objectives, non subjectives, ce que ne cesse, semble-t-il, de manipuler le musée national à travers de simples avis d'experts. Les mesures de lumière technologie permettent de retrouver dans les 10 œuvres étudiées des éléments de comparaison indispensables à l'authentification, j'insiste, indispensables, des éléments de comparaison objectifs qui excluent K5, The Wonderful Woman, du corpus des œuvres originales de Madame Chung Kyung-ya. Et tel est notre avis démontré, pas suggéré, c'est une vraie démonstration que je suis venu vous présenter ce matin en réponse au procureur. K5, The Wonderful Woman, en comparant cette œuvre de la même façon avec 9 autres œuvres, avec une caméra multispectrale. Toutes les œuvres ont été mesurées en les photographiant dans 13 longueurs d'onde. C'est une mesure et pas au-delà d'une photo de haute définition. Alors voilà, c'est un capteur qui est à l'intérieur de la caméra, qui numérise à 240 millions de pixels, et ça permet de découper en 13 longueurs d'onde la couche picturale en 13 filtres, des ultraviolets aux infrarouges. Nous avons donc 13 images, et qui permettent ensuite, avec une extraordinaire définition, de respecter la colorimétrie et de travailler la connaissance infrarouge des œuvres. Si on compare juste avec un appareil photo qui fait 40 millions de pixels, on va obtenir 40 millions de data et qui seront répartis de cette façon-là, alors qu'avec la caméra multispectrale, on obtient toujours 240 millions de pixels, quelles que soient les couleurs, et pour un résultat 80 fois plus puissant. Soumis au rayon d'une lumière, sortant de ces deux ellipses, la caméra pilote la lumière et nous permet de numériser des œuvres aussi fameuses que la Joconde au Louvre ou la Dame à l'Hermine. Et donc nous avons étudié, dans le cadre de cette expertise judiciaire, nous avons étudié The Wonderful Woman, K5, avec 9 autres œuvres des années 77 à 85, absolument authentiques,
de Madame Chung Yung-ya. Ce qui est curieux, c'est que depuis 30 ans, le connaisseurship, c'est-à-dire les gens qui étudient cette œuvre, ne peuvent faire qu'un examen visuel traditionnel, l'étudier peut-être en fluorescence et au rayon X, mais ça n'apporte pas des réponses attendues, et toute cette étude ne peut être que subjective. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on nous a objecté le fait que c'était une peinture asiatique, avec des pigments asiatiques sur du papier de riz, et que nous ne serions pas fondés ou nous ne serions pas légitimes pour étudier une peinture asiatique. Ce qui est très surprenant parce que, en fait, notre étude ne s'est pas portée sur les pigments, elle s'est portée sur la lumière et la manière avec laquelle, dans la peinture, la lumière peut être interprétée. Chaque œuvre est unique. C'est le propre d'un artiste, c'est que dans chaque œuvre, il va faire quelque chose de différent. Et donc là, c'est là où la difficulté réside. Si on veut comparer, il faut pouvoir trouver des points tout à fait identiques. Et un artiste n'a pas toujours la même façon de les peindre. Par exemple, pour K5, l'artiste a utilisé sur le nez une petite touche sombre qui sera différente dans toutes les autres œuvres. Mais ça pourrait être tout à fait quelque chose d'original. Par exemple, dans K4, Soror Teresa, on a pu voir un détail de l'œuvre sur l'œil droit qui montre des hachures obliques ici et qui sont uniquement dans K4. Alors, du coup, il a fallu trouver des lignes directrices pour cette étude comparative et nous avons utilisé 5 chapitres. Le premier, c'est la perception. Le deuxième, c'est la touche. Le troisième, c'est la main. Le quatrième, c'est la technique. Et le cinquième, c'est la finition. En fait, tout vient de la manière avec laquelle le peintre va peindre et s'exprimer. Donc c'est le reflet de sa personnalité qu'on va chercher dans cette étude. On a fait la mesure de manière identique partout, avec une résolution de 580 dots per inch. C'est 525 pixels au millimètre carré. Prenez un millimètre et dedans vous avez 525 petits carrés de 1 dot à l'intérieur du millimètre. La première évidence est née et liée à la perception du peintre, c'est-à-dire à la manière avec laquelle son œil voit et son cerveau perçoit. Et donc, deux artistes n'ont pas la même perception des rapports de contraste. Pour ça, on a isolé les objets du peintre. Donc, on a enlevé le fond de la peinture et on a isolé uniquement les objets dans chaque tableau. Et on a calculé l'écart-type avec un logiciel connu qui nous a donné des valeurs, et c'est la valeur en fait de ces objets avec la luminosité étudiée. Et donc pour K5, l'écart-type est de 45-29, alors que pour les autres, l'écart-type est bien moins important. Et donc pour K5, l'écart-type est différent, c'est-à-dire que la valeur des écarts de luminosité des objets peints est de 45 pour K5, alors que nous trouvons une moyenne à peu près de 26 à 28 pour toutes les autres. Donc ce ne sont pas les mêmes caractéristiques de contrat des objets peints dans les autres peintures. Et il n'y a rien de subjectif dans cette analyse. Ensuite, on a étudié l'équilibre de la lumière. Et pour ça, on a utilisé une fonction physique qui s'appelle le maximum d'entropie. Et c'est fait sur l'ensemble de la peinture. Et c'est la valeur de la luminosité perçue par l'œil humain en tenant compte des couleurs. Là, on a étudié aussi l'équilibre des lumières et on voit que le maximum d'entropie et la standard déviation donnent des valeurs différentes pour K5. Et on a pu établir que le rapport de contraste et la lumière sont liés au niveau de notre cerveau. Alors ensuite, on a pu déterminer que c'était vraiment un facteur très discriminant dès lors qu'on fait cette recherche des facteurs de corrélation. Et ça fait apparaître, encore une fois, K5 avec une valeur extrêmement importante par rapport aux autres qui se détachent une fois de plus. Et ça montre que notre perception de la lumière et des rapports de contraste sur cette œuvre sont fondamentalement différents. Ensuite, on a essayé d'évaluer ces résultats en pourcentage et en probabilité. Et comme on fait appel à des lois physiques des transformées de Fourier, on peut utiliser des valeurs mathématiques qui sont des courbes de Gauss. On ne va pas faire un cours de mathématiques aujourd'hui, mais c'est très important de noter
qu'à partir du moment où on étudie les groupes de Gauss, les gaussiennes, les répartitions gaussiennes, on peut faire des probabilités et évaluer la probabilité de savoir si dans cet ensemble des 10 œuvres, eh bien, K5 a sa place. Et en faisant ces fonctions de Gauss, qui sont vraiment quelque chose qui est fait naturellement par tout statisticien et dans des laboratoires, c'est vraiment quelque chose de commun, eh bien, on s'aperçoit que si on va chercher des caractéristiques communes entre K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9 et K10, on a des probabilités de retrouver les mêmes comportements de la lumière à travers le maximum d'entropie et standard déviation dans toutes ces œuvres. Et quand on applique cette même capacité à K5, eh bien, il n'y a aucune probabilité possible. On va passer, parce que je pense que vous avez beaucoup envie de poser des questions, on va passer très très vite sur les autres preuves. Elles existent, il y en a 9. Et certainement on reviendra dessus. Je voudrais juste dire que finalement, ce que voit le regard et le cerveau, ce que comprend le cerveau, est complètement différent. Et à chaque fois, K5 ne trouve pas sa place. On passe vite sur le regard, par exemple. On prend l'œil du peintre, on prend l'œil du modèle, et on se rend compte que dans l'œil, l'artiste va préparer son œil, et dans l'épaisseur de l'œil, on va pouvoir la mesurer. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait dans l'œil la mesure ici, toujours de la même région, on obtient en fait des courbes, et ces courbes, pour K5, ne dépassent jamais 200. Là où, partout, on est à 200. Et si vous comparez ici et ici, vous voyez bien que la matière est différente. Ça veut dire que l'œuvre n'est pas préparée de la même façon. Et donc, une fois de plus, eh bien, K5 est différent. Ensuite, on a juste, pour aller très vite, on a juste voulu montrer comment l'artiste dessine. Et ça, c'est un problème anatomique. Quand on compare les rayons de courbure de chaque œil, on se rend compte que K5 a un rayon beaucoup plus grand que tous les autres. Et ça montre que ce n'est pas le même bras qui a fait ce rayon. C'est vraiment objectif. Ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est une étude scientifique sur les rayons de courbure qui permettent, dans tous les regards, de sortir des valeurs, en fait, qui, une fois de plus, vont apparaître K5 comme étant totalement différent. Un autre forme de dessin, pour aller vite, c'est on s'est rendu compte qu'en découpant la couche picturale, parce que on nous reproche, paraît-il, de ne pas avoir utilisé la lame technique, on l'a utilisée à toutes nos démonstrations, et là, on peut démontrer que le nez a été fait d'une telle façon qu'il n'y a aucune évolution dans le dessin du nez, alors qu'il y a des évolutions partout dans les autres dessins des autres nez. On a eu la même chose pour la bouche, où un trait sous la bouche est tellement accentué qu'il n'a aucune évolution par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur les autres tableaux. Même chose sur l'écart entre le front et les deux yeux, où on obtient aussi une différenciation de K5. Alors là, je voudrais juste m'arrêter une seconde parce que c'est, à mon sens, la plus brillante des démonstrations. Cette technique repose sur les transformées de Fourier. C'est la transformation d'une image en longueur d'onde, en vibration, en fréquence. Et c'est très, très explicite. Et là, on a juste sélectionné la même région dans tous les visages. Donc, vous prenez un carré, vous le passez dans un logiciel qui vous donne une transformée de Fourier. Et ça vous donne cette image avec au centre un point lumineux. Et là, par rapport au point lumineux qui est le même à sélectionner dans toutes les images données, on va sélectionner le même espace, la même languette, vraiment la même languette, le même espace. Et dans cet espace, on va compter le nombre de pics des fréquences enregistrées. Et pour K5, le nombre est vraiment très inférieur. Et ça montre que l'œuvre est beaucoup moins travaillée, beaucoup moins de détails, beaucoup moins de sensibilité,
Et donc c'est un facteur déterminant dans cette comparaison qui démontre que la façon de faire de 4-5 n'a rien à voir avec les autres qui ont une constante. Et donc le nombre de cycles par 100 pixels pour K5 est de 13, quand il est de 36, 25, 24, il est vraiment très inférieur. Donc en conclusion, K5 est vraiment différent, et il est tellement différent que parce que la lumière est au cœur de la conception d'une œuvre qui est achevée d'un très bon artiste, un copiste et un pasticheur, et a fortiori des faussaires, ils travaillent sans comprendre complètement cette lumière. Et c'est l'indispensable guide de la création dans la manière appliquée sur le support, dans la matière appliquée sur le support. Un faussaire, c'est quelqu'un qui fausse la perception d'une œuvre. Il va l'amplifier. Mentir, c'est son quotidien, il va exagérer. C'est parfois indécelable au premier coup d'œil, et c'est parce qu'il y a un examen scientifique que l'on peut quantifier son mensonge. Et c'est parce que nous avons fait cette démonstration, comparé toutes ces œuvres, que nous pouvons dire que K5 est différent dans son exécution, dans sa préparation, dans les proportions et dans le traitement de la lumière. C'est pour ça que nous avons dit, scientifiquement, tous ces résultats, objectivement, nous amènent à exclure du corpus de Madame Chang K5. C'est tout. Ce sont des constatations objectives, sans état d'âme, sans a priori, sans connaître l'œuvre plus que ce que nous avons pu faire, c'est-à-dire étudier par comparaison 10 tableaux avec une certification accrue et en toute intelligence, sans aucun artefact ni subjectivité. Cette démonstration prouve que Madame Chang était fondée à dire que cette œuvre n'est pas de sa main. Et prétendre le contraire, avec autant d'obstination aujourd'hui, nous semble aller à l'encontre de la moindre objectivité. Et à un moment donné, il faut savoir conclure.